terrible, terrible. Madame... Devant. L'inspectrice. Du calme. Elle est devant, tout devant, tout devant. Tant qu'elle n'est pas là, elle n'existe pas. Un de nos élèves a dit quelque chose de terrible. Quoi donc? C'est délicat. C'est délicat. Pardon? À répéter. Dites. Il a dit... Respirez. Il a dit, ce que je vais vous dire, ce sont ses propos à lui, à l'élève. Hein. Ce ne sont pas les miens, à moi. Allez-y. Horreur. Terrible. Horrible, terrible. Madame la elle rectrice. Elle est devant, elle est devant, elle est devant. Madame la rectrice. Que d'hystérie. Quand vous saurez. Quoi donc? Tant que la personne pose, petite pause, on sait qu'on a... Quand vous saurez. Quoi donc? C'est terrible. Dites-moi. Avant de parler, je tiens à préciser que le propos que vous allez entendre ne doit pas être considéré comme reflétant mes opinions personnelles. Je ne fais que citer les propos de l'élève de la classe de C1, de Madame Lemoine, propos que je désapprouve fermement, mais qu'il m'incombe en tant que fonctionnaire zélé de l'éducation nationale de répéter à qui de droit, en l'occurrence vous, ma supérieure hiérarchique. Et ses propos? Il a dit... C'est affreux! Vous voyez? Terrible même! Madame la Présidente! Ministre! Madame la Ministre! Non, devant! Madame la Ministre! Madame! Oui, je suis là! Je suis là! Un de nos élèves a dit des propos vraiment effroyables! Lesquels? Il a dit... Eh bien? Veuillez signer. Qu'est-ce que c'est? Ce document me décharge de toute... responsabilité pénale tant qu'aux propos que je vais vous dire. Oui, donc? Il a dit... Je défaille! Je vous soutiens. La présidente! Où est la présidente? On me demande. Tu peux parler. Ah, pardon. Il s'est produit quelque chose de terrible. Il s'est produit quelque chose de terrible. Face à nous, Léonie. La police! Que la police! À vos ordres, madame la présidente! Madame la présidente, que pouvons-nous faire? C'est terrible, il faut agir. Un des élèves de la classe de madame Lemoine a dit: quand je serai grand, je serai terroriste. La comédie de Saint-Étienne indique qu'il ne saurait être considéré comme responsable pénalement des propos tenus dans le cadre du spectacle, la liberté d'expression tenue, la liberté d'expression expliquée par les par les enfants aux ordres de l'ordre. Enfants par les forces de l'ordre. Le centre social Boris Vian précise par ailleurs qu'il n'a aucune intention de devenir une organisation terroriste lorsqu'il serait plus grand. Par ailleurs, mes camarades et moi-même tenions à préciser que cette pièce est une œuvre de fiction, à l'intérieur de laquelle nous incarnerons des personnages. Ni les opinions, ni les propos, explicites ou implicites, ne sauraient nous être attribués. Nous sommes sur l'affaire, madame la présidente. Je verrai mieux. On s'en charge. Nous allons la retrouver, cette terreur de CE1. Nous allons la prendre entre ta dure, ce petit terroriste du primaire. Nous allons le mettre en garde à vue, ce petit de 8 ans. Ce monstre de 8 ans. Ce monstre de 8 ans. Moi, je la jouerai ferme. Tu fais partie de l'État islamique? À vous, hein? Et moi, plus conciliant. Alors, mon trésor, où as-tu caché les bombes? Mais quelle bombe? Celle que tu as fabriquée. Mais j'ai rien fait. Il nie. Circonstance aggravante. Tu voulais partir en Syrie, hein, c'est ça? Faire un petit voyage, mon trésor. Tuer les soi-disant infidèles, hein? Faire mumuse avec un fusil, mon amour. La maîtresse, elle dit que quand on lui pose une question, la langue doit tourner 7 fois et la main se lever. Alors? Parce que sinon, on est un enfant mal poli. Sinon, on est un enfant mal poli. Et même les parents, s'ils ne nous voient pas, ils ont comme un petit pincement de honte. Alors toutes
la maîtresse, elle a demandé ce qu'on pouvait faire quand on serait grand. Moi, j'ai levé la main. Et puis, j'ai laissé Séverine dire qu'elle serait une princesse. Et Arnaud, un prince. Et Francesca. Non, et Jessica, une conductrice de navette spatiale. Et Igor, un boulanger de croissants. Et Francesca, une maîtresse, pour faire plaisir à la maîtresse. Et puis là, la main levée, le doigt bien tendu, j'ai dit que quand je serai grand, je voulais être terroriste. Je vais te faire parler, moi. Si tu nous dis tout, je te donne un Kinder surprise. Et même, je t'aide à la monter, la surprise. Tu te rends compte de ce que tu as dit? C'est pas bien. Passible de 5 ans de prison. Tout ça a inquiété. Tout ça a inquiété tes petits camarades. Une psychologue est avec eux en ce moment même pour leur expliquer que leur copain a tenu des propos, des paroles injustifiables. Stop!